ça. Et là, je vais chercher Fifi. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure avec Fifi. Tac. Voilà. Bon, bah, là, je fais la même. Sauf qu'aujourd'hui, on est le 20 février. Et un mois et demi facile qui est passé après le jour de l'an. Avec Fifi. Et ben, on s'est parlé cette semaine. Il me dit, si tu veux, je viens. Je fais, ouais. Il y a un peu de neige. On va se faire un truc sympa. Donc, vous allez voir ça. Oh, chamois. Mais non, je rigole. Je suis une connerie. J'ai vu une chèvre. Donc, on va là-bas. Hop là. Ça y est, j'ai récupéré Fifi. Bonjour. Salut. Allez, c'est reparti. Je suis au milieu de la route. Arrêtez, mais bon, il n'y a pas de problème. Vive les pneus neige. C'est chouette là, on se croirait dans un autre pays là. On se fait une pause hein. Une cigarette parce que. Oh non. Ouais, ça manque, vous voyez, il tousse parce qu'il a pas sa clope. On commence très 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 dur en fait. Ça, vraiment, ça fait une. On se rendra pas compte à la caméra, mais. Donc on est garé en bas là. Et c'est vraiment ça. C'est limite comme ça, quoi. C'est du 90 degrés, là. C'est du... Franchement, faut limite une corde pour escalader. C'est la folie. Moi, je n'en peux plus. On voit déjà dans quel état je suis, au bout d'une demi-heure de marche. Et on n'est pas à la moitié. C'est trop bien. Bon, allez, on va continuer. On va boire un coup et puis on continue. Monter. Ah ouais, faut que je monte ma luge quand même, parce que moi je tire ça quand même. Hein. C'est de l'ombre. C'est quand même pas rien. J'ai mis mon sac de mon duvet par-dessus, ma veste. T'es venu pour en chier, Fifi, hein? Non. Mais si. Un petit peu. Bon. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, c'est quand même pas évident. Donc là, on ne voit que les traces fraîche d'Indiana. On a quitté le sentier touristique. Bon, théoriquement, ici, il y a un chemin forestier et il a disparu, forcément. Donc, on longe. L'objectif, c'est à peu près au col qu'on voit là-bas. Je vois pas ce que je filme, mais théoriquement, mon doigt devrait montrer à peu près. Voilà, le col est derrière ce col. Il y a encore un peu de trotte. C'est du sport. On bronze aujourd'hui, ça va être cool, il y aura les marques des lunettes. Ça y est. Bon, je me suis cassé la figure. Donc là, je suis obligée d'enlever mes skis, j'ai enlevé le sac, parce que sinon, pour se relever, c'est même pas la peine. Oh. Coucou Fifi! Alors on en chie là. On en chie vraiment parce que bon, on est sur du vraiment comme la bonne poudreuse. On s'enfonce bien. On a fait une grosse partie de dévers derrière cette butte là-bas. Très très dur. Là c'est mieux. Mais là on remonte. Donc du coup j'ai porté mon sac parce que la luge se cassait tout le temps la figure. Fifi vient juste de me relayer. Et elle en profite pour se casser la gueule. J'en peux, je me casse la figure. Allez, c'est parti. Indiana. Les chansons à deux balles. Bon, on va bientôt arriver à bon port. Mais déjà, je voulais montrer ça là de loin. C'est vraiment splendide.
on va essayer d'y accéder. Alors, on est sur la ligne droite là. On s'est posé là-bas. Moi aussi je commence à avoir un coup de barre là-bas là. On est venu voir ici parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc sud, sud-ouest. Ici c'est vraiment très très joli. On entend le vent là, je pense. Avec toutes ces roches, mais il n'y a pas d'arbres. Voilà. Et donc ça nous obligerait à faire beaucoup d'aller-retour jusqu'au bois qu'on voit là-bas. Donc on a choisi de se bouger là-bas, tant pis. Je pense qu'on va aller plus en direction du bois. Parce qu'on n'est pas même pas protégé vraiment du vent ici. Voilà. Le gain est pas extraordinaire. Non. En fait. Bah c'est juste la beauté du lieu, mais bon. Fifi retourne courageusement me chercher ma luge. Parce qu'il a les raquettes et pas moi et que je m'enfonce tout le temps et que j'en ai marre. Elle est là-bas, là, derrière ça. Et on va avoir un coucher de soleil magnifique. Ah ouais. Et donc là, on a décidé de se poser là. Je vous montre tout de suite. D'abord, la vue. Là-bas, ça fait partie du massif de Dévoluy. C'est splendide. J'adore. Donc on a quand même une belle vue. Et là, donc, on est allé jusqu'au bois. On est descendu là. Voilà, donc on a déjà posé mes skis, mes chaussures. Donc ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a beaucoup moins de neige, on ne s'enfonce pas. Hein, forcément, c'est sous les arbres. Ok, bon, un bon petit toit. Et donc, arbre en partie mort. Donc tout ça, c'est mort. Donc tout ça, ça va brûler, ça va être coupé. Donc il est vraiment, je pense qu'il est pas entièrement mort, mais pas loin. Hein. Il est vraiment pas en bonne santé. Bon, il y a des parties qui sont bonnes, hein. Mais il y a beaucoup de branches. Donc ça, je vais essayer d'en choper un maximum pour allumer le feu. Voilà, c'est pas en bon état. Donc on a le bois juste à côté, on va se poser là. Donc je ne sais pas encore si je dors en hamac ou au sol. Et puis le feu sera sûrement par là. Ça, c'est toujours la question en bivouac. Enfin, pour ma part, j'aime bien réfléchir au meilleur endroit où se poser. Être bien, avoir une bonne vue, être en sécurité par rapport... Donc évidemment, hein, on va pas faire le feu sous les arbres. Ça, c'est la logique même. Donc sécurité par rapport au feu. Par contre, il y a de la neige qui tombe. C'est sympa. Voilà, donc là, c'est un bon spot. On va voir le soleil. Là, il va passer derrière cet arbre et là on aura le soleil jusqu'au bout avec un super coucher de soleil. La neige vierge de toute trace. C'est vraiment super. J'ai du mal à décrire avec des mots la sensation qu'on a. Putain, je fais ma minute philosophie. Elle est con. Oui, donc mesdames et messieurs, minute philosophique d'Agnès. Dans un moment de zénitude parfait. En tout cas, on a chié pour venir. Moi, je peux vous dire qu'on a chié et à mon avis, on va en chier pour repartir. Donc, ce moment de zénitude là, il se mérite. Il se mérite sacrément. Parce qu'on a marché 2-3 heures. Bon. À moins d'un kilomètre heure. Forcément. Mais quasi 300 mètres de dénivelé. Non, un peu chier. Bon, allez, on va. Presque 5 heures, on va un peu couper du bois quand même, histoire d'avoir de quoi se chauffer ce soir, et bouffer, et manger. Pardon. Allez, salut, toutes. Allez, salut. Donc là, je suis dans le moment de l'observation pour trouver du bois mort. Donc là, on peut dire les branches du bas, c'est bon. Et puis, il y a cette branche-là qui a cassé. Donc, je zoome pour montrer où est-ce qu'elle a cassé. Voilà, ici c'est cassé. Et donc si on suit la branche, tac, hop, je vais faire le tour. On voit bien, elle est dead. Hein? Maintenant l'idée c'est comment je récupère cette branche. Ah, elle a cassé de là ou là, ici. Ah non, elle a cassé de là, ici. Putain, c'est fou. Ouais. Donc voilà, comment je récupère ça?
pas être facile. Mais je vais 30 secondes après mes habits. Voilà, c'est fait. Mais c'était pas si dur que ça, en fait. Non, le plus dur, ça va être de la remonter. Là. Hey, cours! Il y a eu le chat. Oh non. Ah, par contre, là, oh la vache. Donc là, il y a des... Il y a du bétail. Ah, oh, ben, ça s'enfonce bien, hein. Bon, comme je suis pas complètement masochiste, je l'ai quand même coupé en plus ou moins deux. Je préfère faire deux voyages que galérer à porter une broche. Voilà. Voilà. Oh, bah c'est malin, tu vas devoir te lever de ta super branche. Mais comme ça, on va voir ta branche. Ah, c'est dur, hein. C'est vieux, surtout. Tu vas avoir la canette sur le cul. Oh. What? Donc là, histoire de ne pas se mouiller le cul, il y a une branche juste à la bonne hauteur qui a trouvé suffit. Oh, nickel, t'as même la table à côté. Oh, c'est super. Bon, j'ai réussi à monter mon petit morceau de bois. On a même de quoi faire le... Excuse-moi. Oui. On a de quoi faire le cercle de feu, il y a des cailloux. Oh. Je ne sais pas si c'est vraiment utile le cercle de feu. Je pense pas. Je pense que là, je t'avoue, on va le faire par là. Là où j'ai posé le... Ta branche, tu vois, et on va pas s'enquiquiner. Bon, je vais faire une bonne petite coupe au bol là, à ce pain. Ouais, ah, une petite coupe, ça fait du bien aussi. Non, tout était mort, hein. Qu'on vienne pas dire que je massacre les arbres, c'est pas vrai. Il y a plein de lichen. Je sais pas trop ce qu'il a eu cet arbre, mais bon, vraiment, il y a très peu de branches viables. Peut-être plus haut, ouais, mais celle du bas, elles étouffent. Donc je vais essayer de récupérer celle-là, comme j'ai dit. Alors, je sais pas comment. je pense pas que je vais grimper à l'arbre. Quoique. Puis je pense que je vais mettre mon hamac entre ces deux arbres. Ouais, j'ai envie de dormir en hamac. Je suis bien en hamac. Je me casse pas la tête. Voilà. Et là, on peut admirer, depuis que je parle, une couleur absolument merveilleuse, n'est-ce pas? Mais vraiment merveilleuse, parce que c'est, ça commence avec le coucher du soleil. Donc, comme je disais tout à l'heure, quoi, on a une super vue, super coucher du soleil. Je ne mentais pas. Il est là-bas. Et c'est splendide. Et moi, ouais. Je ne sais pas dormir. Donc, voilà la position de Fifi pour regarder le coucher du soleil qui vient donc de se terminer. C'était beau, j'étais bien assis. Ouais. Faut bouger, faut travailler. Ouais, ça, faut travailler maintenant. Toujours pas d'Indiana depuis plus d'une heure, une heure et demie. Ouais. Ça va, elle se régale, elle. Tu l'appelles, elle vient pas. Bon, là, je filme pendant qu'on a un petit peu de luminosité. Donc, ici, je vous présente Fifi qui galère bien. Avec son montage tarp au sol. Parce que bah, forcément, le sol est un petit peu loin, on peut pas enfoncer les sardines, donc il faut mettre de la neige et il y a du vent. Le vent s'est relevé, ça fait frais, sans soleil. Moi j'ai opté pour le hamac, comme j'ai dit avant. Donc un peu chiant aussi d'ailleurs en. Oh, il y a la lune qui se lève là-bas. Je sais pas si on voit. On verra après. Hein oh, là. Vous voyez là ? Ouais, donc le vent. Vous voyez le vent ? Il est sympa. Donc il vient pile de là. Donc je vais bien mettre mon tarp, bien tendre mon tarp pour essayer d'être le plus protégé possible. C'était un peu galère parce que l'espace entre les deux arbres n'était pas assez large. Donc j'ai fait un système. J'ai mis ma cordelette donc, à une branche. Je l'ai passé derrière la branche, donc exprès, parce que au début elle était tendue comme ça et c'était trop court. Et donc en passant derrière la branche, ça le fait. C'est un petit coude qui me permet d'avoir une tension qui est tout à fait correcte. Donc là, j'assiste à un lever de lune magnifique, juste au-dessus de la crête là. C'est superbe, superbe. Voilà, elle pointe juste le bout de son nez. Au-dessus de la montagne, c'est sympa, hein. Comme si elle arrivait tranquille, là, elle descend. C'est sympa.
Après le coucher de soleil, c'est le lever de lune. Allez, hop. Il y a un certain taux d'humidité tout autour, n'est-ce pas? C'est parti. Hé, hey, mon fire steel, oh! Il est où mon bois vert, là, que ça, on loupe pas le truc, là. Petit boulot, vas-y, prends. Vas-y! Bon, celui-là, il a fini de prendre. Bon, je manque le gros. Qui prend vite aussi. Bon. Là, c'est du fin. Hein. Ouais. Et le gros, il veut pas prendre. Pour les aiguilles, il va finir par prendre. C'est notre seul. C'est notre seul. Je vais laisser la pelle. Ouais. Hein? Je crois que oui. Il sacrifie ma pelle. Voilà. Comme dirait Fifi, attention, hein. Tant que c'est pas des femmes, c'est pas parti. Peut-être retirer ta pelle. Ah bah ça fait depuis longtemps. Ah pardon, j'avais pas vu. Ça fait quasiment dès qu'il y a eu des flammes dignes de ce nom. Ah, ça fait du bien, hein. Moi, je te le dis que la petite chaleur là du feu là. Écoute, moi j'avais pas froid, mais c'est vrai que malgré tout. J'avais pas froid non plus, je suis pas frigorifiée, tu vois. Bon, notre feu est bien parti. Ça a même fait fondre la neige en dessous. Bon, y a pas grand chose. Hein. Là, allez, même pas 10 cm. Ah, c'est 10 cm quoi. Donc ça va vite. Moi j'ai déblayé ici pour mettre mes pieds. Parce que je commence à avoir froid aux pieds. Donc là, on a fait un saucisson. À cuire de Lyon, voilà, en entrée, et j'ai commencé à grignoter, à couper le fromage pour faire une fondue, et bah ouais, trop café, on s'emmerde pas, voilà, donc là c'est que de l'eau neige, hein. Ah bah oui, hein. Ah ouais, que de l'eau neige pour l'instant, on n'a pas utilisé notre eau, enfin mon eau. Oui, parce que moi j'en amène jamais, de toute façon. Et on donnera le jus. Le jus à boire à Indiana. Hein, tu vas boire. Avant qu'elle nous vole notre sauce. Ouais. Bon, allez, c'est parti pour la fondue sur les braises. Bon, j'ai un peu une poignée en plastique là quand même. Pas trop fondre. Ça fait une belle flambée. Il y a du vent, on a un petit peu froid, mais pourtant il fait pas très froid. Oh, pas propre ma caméra. Ça fait deux bics. Ça se gélifie aussi. Oh, là. Bah oui, forcément. Bon ben voilà mon coucou de jour. Donc ça a bien tenu. Bon, j'avais un peu fait ça à l'arrache. Donc voilà, ça va bien jusqu'au sol. Je pense que les sardines commencent un peu à se soulever, mais ça a tenu. Donc voilà, j'ai parfaitement bien dormi. J'ai eu super chaud. Pas au début, temps de se réchauffer. J'ai toujours ma bouillotte d'algène. Mais sachant que ensuite, donc j'ai mis la couverture de survie lourde de Tintin, mon thermarest, mon duvet et un sursac, hein, un nouveau sursac pour série B, aux enchères, au pas de marque. Qu'est-ce que j'ai eu chaud! Je suis obligée de sortir les bras tellement j'avais chaud.
Fifi réveillée depuis beaucoup plus longtemps que moi. Ah, il a fait la grâce, ouais. Jusqu'à 6h30. Ah, jusqu'à 6h30? Oh mon dieu. Donc le thermomètre, il nous dit 3,5 pour le mini. Mais avec le vent, il faisait beaucoup moins. Et j'avais pris une sorte de petit thermomètre. Alors. Donc. Ah oui, il faut appuyer sur des boutons, je sais plus lesquels. Donc. Bon, je verrai ça après. Bon, ah, j'ai trouvé, mais. Je pense qu'il est un peu picolé quand même, lui aussi. Mini 5,4. Ouais. 4,6. Ah, lui, il fait peut-être le ressenti. Hein. Je sais pas. Bon, allez. Donc, Fifi nous prépare. Il essaye de préparer. Il essaye de préparer. Des pancakes. Voilà. Tu peux dire hein, que c'est une préparation, que je me suis pas fait chier à le faire tout moi-même. Oh, bon, c'est une préparation. Je... Ah, voilà. C'est quoi? C'est la vidéo avec Mungu qui t'a donné envie ou t'as vu ça dans le monde? Non, j'ai trouvé que ça changeait. Ouais, effectivement, mais effectivement, c'est vrai. J'avais vu Mora d'enfer, ouais. Ouais. Voilà. Bon, sinon, j'ai pas filmé le montage de Fifi. C'était sympa. Vous verrez ça sur sa vidéo. C'est la même chose, mais à l'envers. Oui, c'est un peu la même chose à l'envers. Et bon, voilà. Et là, il fait sécher, en fait, pour que le vent sèche cet arbre. Voilà. Et c'est masculin et féminin. Et c'est pour ça que j'ai dit cette tarpe. J'ai fait exprès. Oui, alors le débat, c'est on dit une tarpe ou un tarpe. Si vous avez des réponses, vous le dites à Agnès. Moi, je dis un tarpe. Une tarpe, c'est un peu bizarre. Hier, il me dit ta tarpe. Ta tarpe. Bah, ta tarpe. Bon, voilà. Ah, voilà. J'ai pas filmé au retournement, mais c'était magnifique. Oui, joli retournement de situation. Ouais, joli, franchement, magnifique. Donc là, on va faire ça. Chauffer du caramel. Ouais, chauffer de l'autre côté et on va pouvoir. Bon, j'ai badigeonné ça très très généreusement hein, de caramel. Et j'ai pu goûter. Voilà. Mais on va avoir bien mangé pour le petit-déj. Pour pouvoir repartir, parce qu'il y a du chemin au retour aussi. On essaye de brûler le maximum de bois avant de partir. Enfin, en tout cas, celui qui a commencé à se consumer. Bon, sinon, de toute façon, on jettera dans un bosquet. Ça se verra pas trop. Voilà. Non, je rigole, hein. Déconnez pas. Il ouais, faut préciser, on sait jamais. Non, de toute façon, avec la neige, il n'y a pas de souci. On balance dans la neige et il n'y aura pas de souci. Voilà, mais finalement, Fifi disait hier, on n'aura pas assez de bois. Bon, le gros bois est parti quand même. Hein. Tout le gros bois est parti. Le petit bois, il en reste encore un peu. Voilà. Ouais, c'est des branchous. Bon, bah voilà, tout est replié. Le sac de Fifi. Mon sac. Je vais avoir sur le dos, donc parce que en descente c'est même pas la peine de penser à la luge là où j'étais. Et puis bah si quand même la luge avec mon duvet que j'ai fourré dedans dans ce gros sac là. Bon, ça fait un ensemble un peu plus harmonieux, veste, donc c'est pas très lourd. Je verrai comment je descends après avec ou en mettant les freins, ou on verra. Comment on fait? Parce que bon, si je tire là-dessus, ah, et voilà, je mettais une sangle comme ça par exemple, et bien, il y aurait les freins en permanence, et du coup, ça peut peut-être freiner la luge. Mais bon, il nous reste là, ça à monter. Donc, dans un premier temps, on va voir. Je vais pas chausser les skis tout de suite, donc il faudra porter les skis, porter les chaussures. Pas pratique du tout. Allez, je vous retrouve plus haut. C'est quoi ce pétage de plomb? Mais...
Oh, je fais ma toilette du matin. Eh oui. Indiana est en train de me faire un pétage de plomb, je suis morte de rire. Bon, on quitte simplement donc le spot, mais très bon spot, franchement. Je vais faire un petit tour sur la vue parce que bon, la vue c'est quand même splendide aussi. Voilà, donc on va monter sur le premier plateau dans un premier temps, et ensuite où sont les gens? Je sais pas si vous voyez là-haut là. Voilà, faut redescendre par là, remonter par là. Ensuite, il y a une petite montée encore à faire. Là, c'est une petite butte. Et ensuite, c'est la descente. Ouh. Donc moi, j'ai la luge derrière moi. Les chaussures sur les épaules. Chaussures de ski. Fifi, il a mes skis. Un truc de malade. Donc voilà. Après, je chausserai, mais pas tout de suite. Alors, le petit pétage de plomb. Ah. Bon, on est sur le retour, comme elle l'a dit tout à l'heure. Là, elle en chie. Ça dure pas très très longtemps. Mais elle n'a pas de raquette, du coup, puisqu'elle est avec ses skis. Là, la montée, c'était pas possible avec les skis. Bien, bah, ça se passe plutôt bien, beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc là, on était au col, on est donc derrière. Tac, on a traversé, j'ai commencé à descendre en ski là. Et pour l'instant, en fait, c'est en dévers. Et ça se passe bien avec la luge, elle reste bien derrière moi. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir la suite. J'ai pas encore mis les freins de la luge. Donc, j'y vais tranquille. Non, ça va. Je suis contente. Allez, on continue, il fait beau. C'est chouette. Voilà, je vais remonter un peu là. J'ai un peu besoin de mes bâtons. Ah, dommage. J'ai pas dégainé assez vite pour le caméscope. Mais là, j'ai une bonne petite descente. D'ailleurs, j'ai largué Fifi. Bon, comme ça remonte, ça me freine. J'ai continué encore à pied. Donc hier, nous, on est monté par là. Et on va pas faire la même erreur. On va suivre le chemin touristique cette fois. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Bon, si j'arrive à faire une petite descente sympa, j'essaierai de filmer. C'est sympa. Vous avez vu le plateau de Bure? Comme c'est beau. C'est pas beau. C'est un plateau plat, comme j'ai dit à Fifi. On a bien rigolé avec ça. Un plateau plat. Petite descente. Ah, ouais, elle me freine la luge, c'est bien ça. C'est parti, mon kiki. C'est parti. Voilà, je skie sans bâton, donc je suis obligé d'aller tout droit. Ah, je vais essayer de faire un petit virage, mais c'est pas évident. Ouh, ouh, ouh. Ouh, oh putain. Elle est mouillée, elle glisse pas. Ah, Indiana, mort de rire. Ah, c'est bien, il y a des petits plateaux qui me permettent de freiner. Très très bien ça. Alors l'avantage du ski évidemment. Ah, chichi, vous voyez, il n'y a pas trop d'efforts à faire. Voilà, bon, je vais arrêter de filmer, hein, parce que là j'aimerais bien avoir mes bâtons. Parce que je crois que ça devient un peu plus raide après. C'est surtout que je sais pas si je vais à gauche ou à droite. Merde! Bon, alors là, je ressors d'un truc bien malaise. On voit la marque, c'est la mienne. La plus basse, là. J'ai réussi à tracer. Je suis pas passé par là. Quand je vous ai dit à droite ou à gauche, évidemment, j'ai choisi à droite. Et bon, c'est un chemin comme ça qui monte à l'arrache par les randonneurs en raquette. J'espère que Fifi a pris à gauche. Ah bah, le plat. Il dit non, il a pris au milieu, je pense. Ah, donc là, on est quasi arrivé. Enfin, pour moi, là, c'est bon. C'est une piste. Ouais, ça, c'est raide, hein. Mais ça passe, mais
Voilà, donc là, la station, elle est juste derrière, là. Ça, quand on fait du ski, c'est le premier téléski qui nous permet de monter là et hop, redescendre pour prendre les autres. Donc, en gros, je connais la piste, quoi, même si elle n'est pas damée. Donc là, c'est cool. Et là, bon, je vous refais un coucou en bas, mais je trouve que on s'en est bien sorti. Je craignais beaucoup plus la descente avec la luge. Sachant qu'il y a un peu de frein, je vous montre. Un peu, et en plus, juste d'un côté. En gros, mes chaussures viennent bloquer les freins. Voilà, et comme ça donne un peu de frein à l'arrière. Même si là, cette descente-là m'a dépassé littéralement. Ouais, pas facile, hein. J'ai galéré là. T'es sur mes traces de ski là. Vraiment galère ici. Je pouvais pas tracer tout droit. Il y a des cailloux. Enfin bon, c'est galère. Alors qu'ici, ça aurait été facile. Et voilà, j'ai descendu cette piste en faisant des petits zigzags. La luge me dépassait légèrement par moment. Je rectifiais le tir. Fifi arrive tranquillou. Je me suis arrêté, je bois un coup. Donc on voit ici à la station. Il y a du monde quand même. Donc c'est la luge en dessous. Hein. C'est là où je faisais de la luge avec les luges dimanche dernier. Voilà. Donc j'attends Fifi qui est obligée de faire un petit détour. Je voudrais lui donner la luge. Parce que là, sinon je vais faire un strike avec les enfants. Faut que j'attache Indiana aussi. Donc là c'est fait. Donc bon. Voilà. Donc là on a fui la civilisation qui se situe là-bas. Oh non, mais il y a trop de cris, des gamins, tout ça. C'est insupportable. Ça me rappelle mon ancien boulot. Attends, c'est bon là. Donc je dis à Fifi, on va descendre un peu plus bas pour se poser tranquille, manger un peu de saucisson. Donc je voulais lui montrer le spot où j'avais vu les chamois. Je vous mets le lien de la vidéo, c'est vraiment. Je me suis régalé. C'était au mois de novembre, je crois. Et donc ici, il y aura certainement un bivouac parce que il y a aussi pas mal de feuillus, contrairement à là-haut, et ça peut être sympa. Bon, le fil électrique, s'il pouvait disparaître, ce serait pas mal, mais bon. Voilà, donc nous, on est monté tout là-haut, tout ça, là-haut. Et on est bien contents d'être arrivés. Merci Fifi, c'était vraiment très, 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 très bien. Merci à toi. Ouais. Et à eux. Ouais, oui. Ouais, ils ont pas fait grand chose. Non, ils ont pas fait grand chose quand même. Donc là, j'ai quand même filmé ma sale tronche. Voilà. Allez. Oh. Bisous. Ciao. Allez, salut. À bientôt. Bisous. Ciao.